Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma carrière à Stenvik. Je suis un peu perdu parce que ça fait longtemps. Alors, si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, je pense que j'avais acheté un champ que je devais aller semer. Et je devais aussi labourer, passer culti dans l'autre à côté. Donc, ouais, je vais aller semer d'abord, je passerai culti pour la prochaine. On va le remplir. Hop là, erreur de bouton. Des choses qui arrivent. Ça ne devrait pas, mais ça arrive. Alors, pour que ça rapporte, on va d'abord mettre du colza. Colza, pardon. Comme c'est ce qui rapporte la plus. J'avais 40 000, j'ai acheté le terrain, donc il me reste 20 000, 21. Une fois qu'on aura vendu un peu de colza et la deuxième auto-chargeuse, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'en ai deux. Avec l'argent récolté, je pourrais déjà acheter quelques vaches et commencer à m'occuper des vaches. Acheter quelques poules aussi. C'était pas celui-ci, c'est l'autre. Hein. Tant pis, on passe à travers quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Fait aller, y a pas le choix. Ah oui, mais j'ai pas passé le culti non plus ici. Ah là là. Où est-ce la tête? Fait rien, on va déposer le semoir ici. Comme ça, il sera déjà prêt. Déposer le semoir, j'ai dit. Merci. Déposer, c'est pas le jeter comme ça. T'aurais pu le descendre avant. Bon. On va chercher les cultis alors. Ça fait longtemps que j'étais pas venu sur Stenvik. Je pensais le faire pendant les vacances et finalement j'ai profité pas mal de mes vacances aussi, donc j'étais un petit peu au ralenti. J'ai quand même sorti quelques vidéos, mais bon. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Pour ceux qui me suivent et qui aiment cette série. Ils sont pas nombreux, mais il y en a. Je vous remercie déjà. Et n'hésitez pas à commenter parce que ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Alors, le culti, où c'est qu'il est? Il est là-bas. C'est le petit encore. Bon, ben on fait avec ce qu'on a. Ça passera pas, Yves. Comme ça, c'est mieux.
Il passe avant la camionnette. Ils ont peur de rouler sur cette route, c'est pas possible. 30 à l'heure. Par contre, le virage. Il croit qu'il a un camion, lui, ou quoi? Bon, il passe par là, ça ira plus vite. C'est pas qu'on est pressé, mais bon. Le temps, c'est de l'argent, surtout quand on est agriculteur. Pas de train, on y va. C'est parti. Il était temps, le train arrive. Allez, on va faire le plus petit d'abord. Pardon. Bon, là, on va mettre vue extérieure. J'ai pas encore de fumier, donc je pourrais pas en mettre avant, donc quand j'en aurai, j'en mettrai. Par contre, le tracteur, c'est limite limite, hein. Allez Coco, tu peux le faire. Il peine un peu en côte, hein. Beau train rapide allemand qui passe. Pourtant, nous ne sommes pas en Allemagne, il apparaît le nom de la map. Allez, allez, allez. Du nerf. Après, je vais mettre dans l'autre champ à côté. Je vais mettre un ouvrier le temps de semer ce champ-ci. Avancer un peu plus vite. Même si j'ai tout mon temps.
Ah bah je viens de dire une bêtise, je peux pas, j'ai qu'un tracteur. Oh là là, il est temps que je me réveille moi. C'est dans ma carrière d'origine que j'en ai plusieurs. Tôt, mais c'est pas grave, ça passe à travers, heureusement. Faudrait que je regarde aussi si j'ai la barre de coupe pour la maïs. Parce que je crois qu'il y en a des champs qui sont semés de maïs. Si j'en ai pas, il faudra investir encore. J'espère que chez vous il fait bon parce qu'ici en ce moment c'est pas trop ça. J'ai commencé une nouvelle série aussi que j'avais déjà commencé depuis longtemps mais je ne pensais pas la mettre en ligne puisque j'attends avec impatience. La version 2, je parle de la vieille France bien sûr. J'ai essayé de changer un peu de style, de genre. Si vous l'avez pas vu, ben faites un petit tour sur ma chaîne. Cherchez la ferme de Vieux Marcel.
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si j'ai quelques soucis par moment avec les portes. J'avais commencé au mois de mai, je crois, fin mai ou début juin, je ne sais plus. Mais comme j'avais entendu dire qu'ils préparaient la version 2, je pensais que je l'aurais eu plus tôt. Comme je voulais pas recommencer à zéro, ben voilà, j'avais pensé ne pas mettre mes vidéos et recommencer à zéro. Pardon. Et comme l'ami L7C Fox, que je salue au passage, m'a dit que ce serait bien de voir les vidéos, ben, je me suis décidé à la mettre. Tant pis si je dois recommencer à zéro après. Ce sera avec un plaisir. Surtout sur la V2 qui est encore plus belle que la V1, qui est déjà très bien. Un beau travail d'Arsenic. Avec l'aide de David et Erwin. Même si c'est Arsenic qui a fait plus gros. Ouais. Il a passé pas mal d'heures là-dessus. Enfin, je vous laisse découvrir la une déjà. Et quand la V2 sera là, ben, je me ferai un plaisir de recommencer. Je fais un peu n'importe quoi là. Ça, c'est quand on bavarde. Allez, on va mettre celui-là en colza. Ça devient une bonne chose de fait. Bon, on va remettre l'affichage pour pas se tromper, c'est bien du colza. Colza, pardon. Allez, c'est parti. Voilà, même pour semer, il a dur, hein. Vivement qu'on gagne de l'argent pour investir dans un plus gros tracteur.
Ah, en descente, ça va déjà un peu plus vite. Allez, Coco, monte. Ça va pas plus vite de ce côté-là non plus. Je pensais, mais non. Pardon. Oui, il va tout droit. Je t'ai pas demandé de tourner, moi.
Allez, plus vite. Je sais bien que c'est pas de la course, mais quand même. Je l'ai baissé un peu tard. Pardon. Et ouais, mois de septembre, l'humidité, le froid, comme d'habitude, tu vois. Vive la Belgique. Ouais, peut-être que je fasse dans le sens de la largeur la prochaine fois. Ou en diagonale. La côte serait moins dure. Et je pensais que ça irait plus vite quand même.
Allez, ça diminue. On a presque fini celui-là. Petit bout, c'est un petit bout. Voilà. Faut exploiter tout le terrain, sinon ça sert à rien. Ça va déjà un peu plus vite comme ça. Je sais, certains vont me dire je fais n'importe quoi, mais... C'est pas grave. Et les deux petits bouts qui restent. Pardon. Et bien voilà, c'est ici qu'on se laisse. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir. Allez, bye bye, à la prochaine.